Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vous propose de travailler les abdominaux avec un défi qu'on a déjà fait sur plusieurs parties, notamment les squats et les thrusts. L'objectif c'est simple, c'est de faire 5 séries avec à chaque fois le maximum de répétitions. Vous prenez 30 secondes de récup et on recommence. 5 séries, je vous montre l'exercice pour bien le faire et on est parti, on va travailler les abdos. L'exercice d'aujourd'hui pour travailler les abdominaux, ça va être les crunchs. C'est un grand classique pour travailler les abdominaux, mais il faut savoir bien le faire. On met les pieds au sol, l'objectif ça va être de décoller les épaules et de rester le plus haut possible pour éviter que les épaules ne touchent le sol et qu'on creuse le dos. Donc là je suis en position basse, là je suis en position haute. Les mains, on va les mettre sur les épaules pour un premier niveau, ou les bras écartés avec les doigts qui touchent les tempes pour un deuxième. Pensez bien à rentrer le ventre comme si vous vouliez que votre nombril touche votre colonne vertébrale. Allez, en place, on en fait le maximum. 1, 18, 19, 20. Donc là ça me boule bien, je prends 30 secondes de récup et on recommence, il m'en reste 4 à faire. Allez, on arrive au bout des 30 secondes. Donc on enchaîne, deuxième série. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, on souffle bien. 24, 25, ok. Alors là, ça commence vraiment à me brûler, j'ai encore des courbatures. Je le sens bien. Allez, 30 secondes et on continue. Allez, on se remet en place. Allez, c'est parti. Hop, 1. 4. Pensez bien à vos épaules qui ne doivent plus toucher par terre. Rentrez le ventre, soufflez quand vous montez. 3, 4, 25. Oh, aïe, aïe, ça brûle. Plus de 2. Allez, on se remet en place. Quatrième série, c'est parti. 1. 25. Ok. La récup. Faites attention lorsque vous commencez à vraiment être fatigué et que vous sentez que ça vous brûle, de ne pas mal faire le mouvement. C'est le meilleur moyen de se blesser, donc il faut être raisonnable. D'accord? On n'essaye pas de résister à tout prix. Dès qu'on sent que le mouvement se dégrade, on s'arrête, on prend la récup. Allez, il n'en reste plus qu'une. 1, 2, 3. 24. 25. Oh, j'ai plus rien. Vraiment là, c'est trop dur aujourd'hui. Donc moi j'en ai fait 120, dites-moi ce que vous avez fait. Laissez un commentaire pour me donner vos résultats. Pensez à liker, à vous abonner, à partager la vidéo à vos amis, mais aussi à les motiver pour qu'eux aussi fassent le défi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon courage!